plateau. Un grand moment de culture, d'histoire et d'enseignement sur le plateau de WAM. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à vous abreuver à la source d'un grand savoir. Mais en attendant, recevez ici et maintenant le seul, l'unique, l'inimitable, le très enthousiaste, notre mousquetaire du jour, Willy Demont. Je suis un prince ivoirien. Je suis le frère de prince Agnaba. Je suis mousquetaire, pas parmi les trois. Je suis fier d'être mousquetaire. Allez! Merci. Très cher Jean, je suis très flatté d'être ici ce matin, pour ne pas dire ce midi. Je suis Anilus. Bon. Pour ne pas heurter la sensibilité des gens, je suis Anu. Voilà. Et je suis mousquetaire. J'ai fait mon cursus à Jacqueville, et non à Assini, et j'en suis fier. Voilà. Ce que vous voyez ici n'est pas une épée. Malheureusement, pris par les embouteillages et pressé pour être ici, j'ai carrément oublié l'épée de fortune qui m'a été taillée sur mesure. Dieu merci, nous avons les amis du service d'ordre, les techniciens de surface. Ils ont été obligés de casser un bois d'un balai à manche afin que je puisse me constituer une épée de fortune. Voilà, attention, je dégaine. Ennemi en approche, attention. Ah non, c'est pas un ennemi, c'est pas un oiseau. Mais que vois-je là? Oh diantre! Rapprochez-vous, c'est de la sorcellerie ça. Oh là là, je vois un ange assez long avec un objectif qui me regarde. Que voit-il? Par la barbe du moussaillon. Voit-il le prince Anibia? Oh non, je m'y vois. Je suis laid. Oula. Bref. Journaliste, écrivain, ghostwriter pour de nombreux artistes partout où il y a des lettres à poser sur du papier, vous pouvez compter sur mon ami du jour. Homme de lettres par excellence, il se consacre désormais à ses romans après une riche carrière de journaliste. Serge Billet est une source importante de savoir à laquelle nous devons nous abreuver, bien sûr. À la faveur de la sortie de sa dernière œuvre, il sera avec moi tout à l'heure pour un moment riche en enseignements sur le plateau de WAM. Je pense que ça s'applaudit encore. Très porté sur la découverte, Henri Diagamé a traversé le pays pour s'incruster dans la caravane écotourisme. En attendant de retrouver notre lampadaire sans ampoule dans un joli village du pays profond, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle le mousquetaire Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir, et sur Live TV et la TNT, midi c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de WAM. Oh là là. Hey, merci infiniment. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi... Non, attention, jeudi 23 mars 2022... 23 mars. Yeah. Allez,
Quel plaisir en tout cas d'être en votre compagnie. Merci infiniment d'être avec nous. Ça fait plaisir. La cagnotte revient demain et tenez-vous bien, elle est à 550 000 francs CFA. Je pense que ça s'applaudit. Allez, on ouvre à présent avec la vidéo du jour. Regardez. À l'instant, c'est une petite incursion donc, du côté du Nigeria avec Prophet Rolex. Alors, je vous invite à aller découvrir. C'est un garçon qui fait des choses bon, extraordinaires pour nous qui aimons la bouffe. Il peut vous terminer deux plats, hein, deux plats de mouton entier. Franchement, ouais, ouais. Il a 20 d'air. Il a 20, franchement. Allez, la famille, on poursuit tout de suite avec la pépite. Pépite 1, calcul rapide. Ouais, notre première pépite est un petit exercice de maths, très vite résolu par un internaute, n'est-ce pas? Willy! Oui! Andy! Andy quoi? Exercice de maths. Oui! Jean a 5000 francs. Jean a 5000 francs. Sabine lui sourit. Sabine lui sourit. Combien reste-t-il à Jean? Il reste combien à Jean? Parce qu'avec ses 5000 francs, il y a Sabine qui ne lui a jamais souri, qui lui sourit aujourd'hui. Donc, voici la réponse. Laquelle? Andy! Andy quoi? Si Jean est Dioula, il lui reste 4300 francs. 4300 francs, ça veut dire qu'il a d'abord 700. Voilà. D'accord. Si Jean est Baoulé, il lui reste 1850 francs. Il lui reste 1850 francs, ça veut dire qu'il a d'abord 3000. Non. 3150. 2000 beaucoup, ouais, 3150. Ouais, oui. Petit, c'est bon. Si Jean est bêté, Yeah. 5000 là ne va pas suffire. 5000 là ne va pas suffire. Il va compléter 15 000 francs là-dessus. Il va compléter 15 000 dessus parce qu'on connaît bêté. Bêté est fin de saper. Bêté est fin de faire malin. Bêté aime la vie. Maintenant. Les goths. Les quoi? Les goths. Le goth, c'est qui? Si Jean est Agni. Si Jean est Agni. Il va lui rester 5 000 francs. Si Jean Agni, il va lui rester combien? 5000 francs. 5000 francs, c'est effacé seulement. Bah. Parce que tu as tout fait. Tu vas beau faire. Tu vas faire tu. Tu vas faux tcha. Tu vas faire tu. Jean ne va jamais dépenser ses 5000 francs. Agni, on vous respecte. Ah, mon frère, tu as bien répondu, hein, franchement, mais tu t'es trompé. Si c'est un Agni, c'est la go qui lui doit maintenant 5000. Ouais. Cela, il soit à un autre niveau. Parce que ça y est, elle lui doit 5000 sans même avoir dépensé même ses 5000. Non, Annie, je vous respecte. Pépite 2, il a mis boulet. Vous savez, il y a des gens qui doivent nous apprendre à envoyer les bonnes résolutions et surtout les pardons, les bonnes réponses, on a dit. Parce que résolution, ça n'a rien à voir avec réponse. Mais une réponse aussi peut être une résolution. Mais en tout cas, il y a des gens qui peuvent nous aider à avoir les bonnes réponses aux gens, envoyer les bonnes réponses aux gens. Ils sont trop forts. Ils sont forts, d'ailleurs. Oh là 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 là, c'est qui? Willy, lui a envoyé un message. Hein? On dit, toi, t'aimes les choses dégueulasses, hein? On dit, toi, tu aimes les choses dégueulasses. Il dit oui. Mmh. Je t'aime un moment aussi. Mmh. Oh my God. Joe, c'est un génie. Joe, tu as mis, hein? Non. Ça, là, faut te lever doucement, tu vas aller te laver. Ça va t'aider à oublier un peu, sinon, c'est trop fort. C'est fort, hein? Non, si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Oh, n'importe quoi, ça. Oui. C'est n'importe comment ça ou bien n'importe quoi ça. C'est que si on a compris, Pépite 3, il est où? Let's go. Parfois là, même si vous n'avez pas honte, au moins ayez pitié. Ah! Willy! Oui! Il dit... Il dit quoi? Je t'ai dragué. Je t'ai dragué. Tu as refusé parce que tu aimes ton copain. Maintenant, tu veux me demander par internet pourquoi? Pourquoi? Lui que tu aimes là, il est mort. Mort est-il? Est mort il? Apprenons à se respecter. Ça dit, il a fait toutes les formes possibles, en tout cas, pour te demander, pour que tu puisses entrer dans ton youkli, pour que tu lui donnes la réponse. Il est mort. Est-il mort? Mort est-il? Serait-il mort? Est mort il? Est mort il? Mais aïe, ton chéri, tu as regardé et puis tu as cassé mon cou, là. Il a disparu.
Ou bien, disparu est-il? Ou bien, moi, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi faire de mon argent, quoi. Est-il disparu? Il disparu est... Peut-être disparu serait-il? En tout cas, c'est pas par Internet, je vais t'envoyer. C'est Cyber Café là même, il a ouvert pour toi. En maudit. Pépite 4. Aïe. Bon, cette histoire de relation amoureuse là, nous autres, on ne comprend plus rien dedans. S'il vous plaît, les Wamien, expliquez-moi un peu. Boris, explique-moi. Non, on dit. Mais expliquez en commentaire aussi, ouais, ouais. Ils lui ont posé question. On dit, donc toi, tu es célibataire. Aïe. Il répond, oui, du côté paternel. Ça dit, comment est-ce qu'on peut être célibataire du côté paternel? Je n'ai jamais compris ça. Ouais. Mais Yedio, célibataire là, depuis quand il y a son côté paternel, je vous repose la question. Maternel, tout ça là. Fraternel, serenel, bon. Comment veut dire cela? Vraiment! Le vieux, faut la pardonner. Faut. Je vous pardonne. Merci. Bon, pardonnez, expliquez-moi. Mais j'ai mal à la tête. La perruque qui est sur ma tête là, c'est énorme. Pépite 5, le conseil du jour. Petit conseil pour vous, à prendre surtout très au sérieux. On dit quoi? Faut jamais te coucher quand tu as sommeil, hein? Sinon, tu vas dormir. Moi, t'as parlé de... Vous avez compris? Ne faites pas ça. Comment toi, tu as sommeil et puis tu vas te coucher? Mais forcément, tu vas dormir. Tu as dormi? Le royaume des cieux appartient aux violents. Comment quand tu peux être violent si tu dors? Faites attention. Si tu as sommeil, il faut ouvrir tes yeux quand? Jusqu'au matin, tu ne dors pas. Le vieux Lago, t'as sommeil? Olivier, sommeil as-tu? Attention. Allez la famille, on ouvre à présent le chapitre des infobuzz. Let's go. Félicitations, Madame la Ministre. On ouvre l'infobuzz du jour dans le coin du bonheur. Madame la Ministre de la Culture, celle qui est en charge donc de la culture dans notre pays, a épousé M. Malick Touré, premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Félicitations à vous, Madame la Ministre, et surtout un heureux ménage à vous et à votre époux. Que Dieu mette sa baraka, c'est-à-dire la main sur vous, et qu'il bénisse votre foyer. En tout cas, longue vie, longue vie, longue vie. Des légendes du football pour un match historique. Les amateurs de football seront bien servis durant ce mois de mars à venir. Un match de gala pour la consolidation de la paix sera organisé dans notre pays avec quelques-uns des plus grands noms du football mondial. Ce match aura lieu le 28 avril prochain au stade olympique d'Ebempe à Anyama et il verra la participation de superstars du football mondial. Tenez-vous bien et prêts. Voilà. Pour ce match de gala XXL, il y aura Boca Atu, Ronaldinho, Ronaldo N9, Luis Figo, Ricardo Kaká, JJ Okocha, Djibril Cissé, Gabaski, El Adari, Francesco Totti, Cyril Domoro, et puis le bon des bons Samuel Eto'o. En tout cas, du très beau monde au stade de Bimpe. Hein, rendez-vous donc est pris pour le 28 avril prochain. Moi-même, je serai là-bas premier parce que ceux-là, je dois leur montrer que si c'était pas affaire des chances là, ils sont pas forts que moi. Ils sont pas forts que moi. Comment ce complot qu'on est? Ouais. Ou bien les esprits, ils sont pas forts que moi, non? Oh! Merci là-bas. Hein? Tiens! Pa. Reprenez. Hein? Hein? Tiens! Pa. Conny Touré sur Netflix. Ouais! Ouais! Les nouvelles sont bonnes pour l'une des femmes des médias les plus populaires et les plus appréciées du continent. Il s'agit bien sûr de ma sœur. Ma sœur Conny Touré. Après le succès de sa série Un homme à marier, l'animatrice et productrice poursuit sa carrière dans le 7e art. Conny Touré sera à l'affiche d'une série qui sera bientôt disponible sur Live TV et en même temps sur Netflix. Alors, le scoop a été lâché par la page Facebook officielle de Life Magazine. La série s'intitule « L'interview de Conny » et elle y tient donc le rôle principal.
celui d'une animatrice télé qui doit faire face à ses anciens démons. L'interview est réalisée par Anna Gomis et coproduite par Connie Touré et TV5. Félicitations à toi, Connie. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle série-là. Le synopsis est déjà très intéressant. Bravo encore et surtout, bonne chance à l'interview. Et surtout, bon vent à toi. Oui, le vent là aussi, des. Bon, le vent là aussi. Ici. Je me suis pas brossé matin. Ah, voilà la suite. Ah, voilà, c'est... La suite, c'est avec mon agenda, bien sûr, qu'on ouvre à présent, Rabitan à Abidjan. Actuellement, à Abidjan, l'astrologue voyant Rabitan organise le samedi 25 mars 2023 à Jacquesville, juste à la descente du pont, un séminaire spirituel dont le thème est « La connaissance de soi ». Ce sera du 27 au 31 mars et il sera à San Pedro donc pour la consultation spirituelle. Du 27 au 31 mars, il sera à San Pedro pour la consultation spirituelle. Téléphone et WhatsApp 05 02 23 74 74 05 02 23 74 74 05 02 23 74 74. Allez, ce petit fou de Henri Djaniamé était récemment en tournée avec la caravane Écotourisme. L'enfant là, franchement, il s'est incrusté en désordre dans le pays. On le suit ensemble dans Henri s'incruste. 6h du matin, on range les affaires tonki-tonki pour une destination infinie. Non, je rigole. Vous saurez où on se rend tout à l'heure. Voici à Bundjali. Ça en fait du chemin, hein? Ouais. Ah, c'est beau, hein? Et si nous sommes à environ 800 km de la ville d'Abidjan, ce n'est pas pour manger du malowu sous Soumara Lafri. Vas-y, Marianne. Mais plutôt pour vous parler de la tournée écotourisme organisée par Auto24, Evetech et Julaya. Pour recharger chez vous, ça va vous coûter 4 000 francs CFA. Dans une voiture électrique, vous n'avez absolument rien. La première révision sur un véhicule électrique, c'est 100 000 km. Je voulais remercier d'abord de prendre Bundjali, notre commune, comme le point de départ. Là, je suis avec Aristide. Aristide qui ? Aristide Vanga, le directeur général d'Auto24. Ok, ah ! On a trouvé le jackpot. Qu'est-ce que l'Aristide veut faire là ? Alors là, on va lancer maintenant l'événement. Je vais conduire la voiture électrique et top maintenant à la prochaine station, à Korogo. Let's go ! Alors de façon simple, le but de cette tournée est de faire la promotion du véhicule électrique à travers la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous allons passer par certaines grandes villes de Bundjali à Abidjan. Comme là maintenant, nous allons à Korogo. Arrivé à Korogo, les véhicules sont à la station. Déborah, qui est responsable projet, va nous expliquer qu'est-ce qui se passe là. Alors là, on est en train de charger les véhicules électriques. On en a quoi à peu près 2 heures. Mais bon, on va manger en attendant, on va causer avec les gens. Tu as dit on va quoi ? On va manger. C'est déjà parfait ça, on va manger. Vous avez tout à l'heure à l'œuvre dans le véhicule électrique. Comment vous l'avez trouvé ? Le véhicule électrique, il est très agréable et facile à conduire. La première chose qu'il faut retenir, c'est qu'elle permet de sauver la planète. Le ministère des Transports, forcément, accompagnera ce projet. Avec les véhicules électriques, forcément, les charges vont s'amoindrir au profit des transporteurs et au niveau des usagers. Deuxième jour de la tournée et nous voici dans la ville de Katiola. Je suis déjà au taquet. Vous retrouvez les autres à la station. Ouais. 7000 francs, tu fais 80 km. Aller-retour, c'est ça. Eh bien, on peut te dire qu'avec 2000 francs, tu vas faire plus de 100 km avec une moto électrique. Et ça, c'est Rimco qui va distribuer les motos électriques ici sur Katiola. Ça va nous faire plaisir. Alors, selon vous, c'est quoi un véhicule électrique ? Un véhicule, quoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous voici en direction de Boaké et à bord d'un des véhicules électriques. Premier constat, le silence. Comment ça se fait, Florent ? Alors en fait, la motorisation électrique évite tout ce qui est vibration dû habituellement au moteur thermique. Est-ce qu'on nous entend venir de dehors ? Par rapport à l'extérieur, on voit les véhicules, on ne les entend pas. Mi
Pour cette troisième journée de notre tournée, nous avons décidé de nous retrouver dans la ville de Yamoussoukro. Hey, t'es mal à rime. Alors Djolaya, nous sommes une fintech présente en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin. Et nous, notre, on va dire, pierre à cet édifice, c'est de pouvoir proposer à nos clients, à travers nos banques partenaires, de faire l'acquisition de véhicules électriques. Au nom du maire Kwaku Nyambe Kwadoja, je voudrais vraiment vous remercier. En plus de que la voiture électrique fasse du bien à celui qui conduit, la voiture électrique fait du bien aussi à la nature, à l'environnement. Et nous voici de retour à Abidjan pour cette dernière étape de cette tournée. Les véhicules électriques sont derrière moi bien installés, sans oublier la Tesla. Alors là, c'est l'apothéose, dans une ambiance chine. Merci encore, félicitations. Ici à Bobo-Dioulasso, sachez que la porte est grandement ouverte, mais nous serons à vos côtés pour pouvoir développer des véhicules électriques. Donc la Tesla qui est là-bas, vous pouvez la laisser déjà à la mairie de Bobo-Dioulasso. Je la prends avec honneur pour vous. Je suis Cassandra Miezan, énergéticienne de formation et certifiée IRVE qui signifie infrastructure de recharge pour véhicules électriques. En d'autres termes, je suis celle qui installe les bornes en Côte d'Ivoire et je suis la seule et la première aussi, ivoirienne. On a apporté les premiers véhicules électriques dans le pays et on a voulu, pour démocratiser et mettre en avant tout ça, traverser le pays pour une première fois du nord au sud, parce qu'il n'y avait jamais été fait. Il y a plus d'humains qui ont marché sur la Lune qu'au final de personnes qui ont traversé la Côte d'Ivoire du nord au sud en véhicule électrique. Et vous en faites partie, donc bravo à vous. Record Guinness validé. Pourquoi VRS s'associe à ce projet-là? D'abord, VRS est client chez Auto24. Okay. Donc nous allons introduire en fait dans nos différentes offres les véhicules électriques, voilà, pour permettre à nos clients aussi de pouvoir être dans le courant de l'innovation. On est totalement fiers, totalement heureux d'être le premier courtier sur le marché ivoirien à pouvoir proposer effectivement via des assureurs, des produits d'assurance pour couvrir ces véhicules-là. Je ne peux pas faire ce reportage, vous parler du véhicule électrique sans tester quand même. D'accord. Et voilà les amis, ça a été un plaisir pour moi d'avoir participé à cette belle tournée écotourisme. Faut vraiment passer à la voiture électrique maintenant. Moi je me sens déjà bien. Allez, ciao. Yep, voilà, bravo encore Henri Zayamé, merci en tout cas à toute cette équipe-là. Grâce à laquelle bien sûr donc tu as pu faire tout ce road trip-là en voiture électrique. Mais Henri, dis-moi la vérité, c'est pas parce que c'est électrique que ça conduit seul. Parce que j'ai l'impression que l'enfant là, il conduit pas. Hein. Quand tu regardes derrière, tu penses vraiment Henri Zayamé a conduit lui-même. Hein? Hey, tu es sûr que c'est lui qui a conduit? Hey, c'est... Hey! Lui, là, André... Attends, c'est l'homme ou bien c'est quoi, c'est statue? Hey! Hey! Alors, la pub, c'est mieux. Wouh! Et puis, nous sommes déjà de retour sur le plateau. Tu vois, merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on a voulu tester ce que ça faisait de venir, de donner déjà l'antenne. Et puis en même temps, demander au chef plateau en même temps de faire le décompte. Donc on va faire comme si on ne savait pas qu'on était à l'antenne. Et puis chef plateau, vas-y, fais 5, 4, P, fais. Faut crier que... Aïe. 4, hein? 3, 2, 1, plateau. Hé, hey, on a de retour, je ne savais pas. Wouh, ah, je ne savais pas. Je ne savais pas. Allez, le sport, c'est la vie. Celui qui arrive maintenant l'a parfaitement compris et il y consacre toute son énergie. On reçoit ensemble Adama Guidiala. Adama Guidiala, c'est avec nous maintenant. Akwaba, Adama, comment ça va? Merci infiniment d'être là. Merci du fond du cœur. Akwaba. Adama Guidiala qui est là. On va encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît, la famille. Merci infiniment. Wouh! Alors. T'inquiète pas, hein, sois pas, hein, n'aie pas peur, je suis un mousquetaire au fait, voilà. Donc du coup, alors présente-toi un peu à l'ensemble des Wamiens et Wamiennes, qui est Adama Guidiala? Adama Guidiala, c'est un ok. D'accord. Ah là, je... Mmh.
Je suis passé de Sochaux à l'Inter de Milan. Après l'Inter de Milan, je me retrouve à Marseille. Et ensuite, pour à cause de blessures, etc., je me retrouve en Bulgarie. Et après, j'essaie de stopper ça. D'accord. Et je retourne dans la société de M. Raiola, qui était mon agent. D'accord. Voilà un peu. D'accord. Alors, c'est un magnifique parcours, en tout cas. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu débutes dans le milieu du sport, au fait? Comment je débute, c'est ce que je disais tantôt. Mais véritablement, au fait, d'où vient la fibre, au fait? La fibre vient d'à Bobo. D'accord, à Bobo. Voilà, moi, je suis un passionné de ma commune, si je peux le dire ainsi. Étant donné que, voilà, quand vous êtes jeune dans les communes à Bobo, vous savez comment ça se passe. Voilà, on a cette chance d'être dans la jovialité, si je peux le dire. Oui, si, c'est là, à Bobo, la joie. Voilà, à Bobo, la joie. Et donc, au quartier, on jouait souvent avec les amis. Et ainsi, mon père décide de me faire partir à l'Europe. Et quand j'arrive en Europe, je vais dans un petit club de quartier. Et comme je le disais tantôt, je l'avais souligné, j'ai eu la chance d'être recruté parmi plus de 1000 jeunes. Et c'est ainsi que tout est parti, quoi. Waouh. En tout cas, c'est fort, c'est top. Moi, maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que tu arrives aussi jeune, un enfant d'Abobo? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Abobolais qui nous suivent. Les Abobolais sont nombreux à nous suivre, en tout cas. Salut. On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour les Abobolais. Alors, comment est-ce qu'un enfant d'Abobo arrive à intégrer donc les centres prestigieux de formation donc de l'Inter et puis aussi donc de l'Olympique de Marseille? Je dirais qu'il faut avoir l'amour de la chose, aussi du talent. Les gens parlent souvent de chance, moi je ne crois pas à la chance. À partir du moment où tu aimes quelque chose et que tu te donnes à fond, je pense que derrière ça suit. Moi, j'ai travaillé dans mon Abobo natal, je me suis bonifié là-bas et ensuite en Europe... Juste montrer ce que je savais faire, simplement. Voilà. Bon, certains peuvent dire qu'il a le prototype parfait de l'international footeux qui était conduit à une immense carrière. À ce niveau-là, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Au vu des qualités, je ne veux pas être présomptueux en toute humilité, j'avais les qualités pour aller au-delà. D'accord. Parce que quand on regarde le parcours, être recruté parmi plus de 1000 jeunes, aller à Sochaux centre de formation, ensuite signer à l'Inter de Milan, il y avait forcément quelque chose. On ne fait pas obligé, comme cela. Mais malheureusement, je pense que j'ai failli à ma mission, si je peux le dire ainsi, par un manque d'expérience. D'accord, expérience. Voilà, d'expérience. Mais bon, c'est pas le talent qui manquait en tout cas. Non, c'était pas le talent. Non, le talent, il y était. Jusqu'à présent. Voilà. Il est toujours. Il est toujours, mais voilà, manque d'expérience, un nouveau pays, une nouvelle culture. Il faut apprendre la langue, la nourriture. Il y avait le dépaysement aussi, on va dire. Exactement, ce n'était pas évident. Mais bon, Dieu faisant grâce, aujourd'hui, je suis là où je suis, j'en suis fier. D'accord, et nous aussi, on est fiers de te recevoir sur le plateau de WAM. Alors, toujours dans le football, mais cette fois-ci, donc, conseiller sportif. On va dire, tu arrives à élargir un peu et à passer à autre chose. Exactement. Tu as pu faire la reconversion. Qu'est-ce qu'un conseiller sportif? Est-ce que c'est le même conseil qu'on donne peut-être à un président de la République ou le même conseil qu'on donnerait peut-être à un président de jeunes, d'association de jeunes de quartier, conseiller sportif? Ouais, c'est similaire, mais en même temps, c'est différent. Parce que c'est aussi différent qu'être un agent sportif, parce que les gens, ils font l'amalgame, entre guillemets, où il y a une nuance, en tout cas. Un conseiller sportif, pardon, c'est celui-là même qui est disponible pour le joueur. C'est-à-dire que le joueur, à tout moment, doit savoir qu'il peut compter sur la personne dans tous les besoins possibles. C'est-à-dire que être la deuxième famille du joueur, si je peux le dire ainsi, ses petits besoins, des choses qu'il n'a pas forcément besoin. Mais c'est-à-dire après les matchs, essayer de faire les débriefs, essayer de lui dire ce que les autres n'arrivent peut-être pas à lui dire, parce que vous, il sait que vous connaissez la chose, il sait que vous... Ce sont des conseils constructifs, si je peux dire ça ainsi. Et c'est un peu ça le rôle du conseiller sportif. Entre parenthèses, moi, vu que j'y ai joué, c'est-à-dire que quand je parle à un joueur, ma voix porte, parce qu'il sait que je connais la chose. Voilà, c'est un peu ça, un conseil sportif. Dis-nous rapidement, on revient un peu en arrière, tu as joué à quel poste déjà? Moi, j'étais numéro 10. 10, d'accord. Ou numéro 9. Voilà. En tout cas. Alors, comment se fait la transition donc, du terrain au conseil, on va dire? Écoutez, j'étais, comme je disais tout à l'heure, en fait, Cheminot Raiola, père à son nom, parce que c'était le plus grand agent de tout le temps. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir comme agent. Et dans l'écurie, il y a un certain Paul Pogba que tout le monde connaît forcément. Voilà, j'avais décidé comme ça d'arrêter le foot. Comme je l'ai dit, j'ai eu pas mal de pépins physiques. Mais Mino et Rafaela, qui est celle qui tient la société aujourd'hui, et qui est même la femme la plus influente du football en ce moment, ont décidé de me proposer comme ça parce qu'ils se sont dit que
Voilà, j'étais quelqu'un qui pouvait apporter, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu vivre sur le terrain et en dehors, des conseils à mes petits frères. Ce n'était pas évident au début parce que j'étais un peu un novice, on va dire, dans la chose. Mais j'ai consulté mon ami Paul Pogba parce qu'en ce moment-là, j'étais chez lui à la maison en Angleterre. On a discuté et ensuite, j'ai décidé de continuer le processus, on va dire, vu qu'ils étaient déjà mes agents. J'ai décidé de rejoindre le groupe en tant que conseiller et donner de mon expérience aux plus jeunes. Simplement. D'accord. Dans l'organigramme, est-ce que l'agent de joueur arrive avant le conseiller ou vice-versa? Ou ils travaillent ensemble? En fait, on travaille dans une synergie, une symbiose ensemble. Okay. Mais l'agent de joueur arrive forcément avant parce que c'est lui qui va démarcher les clubs. Si. Le conseiller, lui, il est là pour essayer de faire comprendre aux joueurs, d'essayer de lui faire disparaître ses craintes et ses doutes. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que en Côte d'Ivoire, les joueurs s'attachent véritablement, on va dire, dans notre championnat ou peut-être nos internationaux ici, pour peut-être, ils s'attachent les services. Bon, on reste ici. On reste ici avec nos footeux de Ligue 1, par exemple. Est-ce qu'ils s'attachent les services? Je ne saurais répondre à cette question parce que je ne vis pas ici. D'accord. Malheureusement, donc je ne sais pas. Mais je sais que les joueurs ivoiriens qui évoluent en Europe, la plupart en ont. Ouais. D'accord. Ils ont des conseillers, ouais, bien sûr. D'accord. Parce que c'est une évidence, tu en auras besoin quoi qu'il arrive. Ouais. Tu as besoin d'avoir quelqu'un auprès de toi qui était sur le terrain et qui peut te dire les choses en face. En face, parce que tu sais que c'est des choses constructives, tu sais que c'est la réalité. Si, si. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les joueurs à l'Inter qui ont, pas à l'Inter de Milan, mais à l'international, je voulais dire, qui ont bénéficié donc de ton expérience, de ton expertise? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je peux souligner l'un des fils de l'un des plus grands champions de tous les temps du football, M. Thuram. Wow. Il y a son fils Kefren Thuram. Il y a Adnan Yanouzaï, qui est un ami qui est très, très, très proche à moi. Et plein d'autres. Plein d'autres encore. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est facile de conseiller, par exemple, en Afrique? Est-ce que c'est facile de conseiller en Afrique? Je pense que le conseil, il est universel. Hein. Si. Ce sont les mêmes conseils qu'on donne à tout le monde. Après, ça dépend de comment la personne perçoit la chose. Mais je veux dire, si M. Willy Dombo décide de me donner des conseils, ça dépend lesquels. Si c'est dans mon domaine d'activité, c'est sûr que c'est toujours bien de les écouter. Et ensuite, voir si je les mets en pratique ou pas. D'accord. Mais D'accord. Aujourd'hui, tu es présent à Abidjan. Oui. Tu es venu te ressourcer ou donner des conseils ou Je suis venu pour deux volets. D'accord. On va dire. Le premier volet, je suis venu pour annoncer l'arrivée de cette femme-là, Rafaela Pimenta, qui était à la base de la création de la plus grande agence de football mondial avec Feu Mino Raiola, qui est décédé maintenant. Cette année, elle a raflé, si je peux le dire en ce terme, tous les titres possibles d'un agent, meilleur agent du monde, meilleur transfert du monde et meilleur agent d'Europe. Et je me dis qu'il est important et nécessaire de la célébrer. Et pour avoir été le seul à bénéficier des conseils de l'un des agents les plus grands de tous les temps, je me disais que pour la célébrer, ça serait bien que je le fasse dans mon Abobo natal. Voilà. C'est juste redonner à Abobo ce qu'Abobo m'a donné. Si, en tout cas, avant de partir à Abobo, on passe toujours par la Golf en venant de l'aéroport. Donc, ce serait bien aussi de nous la ramener ici Pourquoi pas. Alors, hormis ce projet, est-ce que toi-même, personnellement, il y a des projets qui te tiennent à cœur pour Abobo, pour le sport ivoirien? Oui, forcément. Il y a le projet du centre de formation de l'académie, Pimenta Guidjala. Voilà, il y a son nom à elle aussi, forcément. On le fait ensemble parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour l'Afrique. C'est vrai qu'à la base, on n'avait pas forcément de yeux rivés sur l'Afrique. C'était pas le premier choix, on va dire. Mais aujourd'hui, elle a décidé d'élargir, on va dire, cette palette-là. Ouais. C'est quelqu'un elle est brésilienne. Donc, elle aime la chaleur, elle aime découvrir les choses. Et donc, on a décidé ensemble de mettre un projet en Afrique pour aider les jeunes d'Abobo surtout. Oui, Abobo surtout, en Mais tout cas. Ça concerne toute l'Afrique, attention. D'accord. C'est quoi la suite de ton programme à Abidjan? On se repose un peu, on a d'autres rencontres ou... On se repose un peu, on essaie de rencontrer les petits frères, d'essayer de véhiculer un message et ensuite se reposer. Quoi. D'accord. Se reposer, profiter de la famille, surtout à Abobo. Surtout à Abobo en tout cas. Et puis voilà. D'accord. Pour toi qui as plusieurs vies, en tout cas dans le football, on va dire, de joueur à aujourd'hui conseiller sportif, quel est le message que tu pourrais donner à tous ces jeunes abobolais, à tous ces jeunes Ivoiriens là, qui pensent qu'il faut forcément être sur le terrain dans un grand club à l'étranger pour réussir sa carrière de footballeur? Quel conseil je pourrais leur donner?
Déjà, je leur dirais de croire en eux, de saisir les opportunités de part et d'autre, parce qu'on ne sait jamais d'où le bonheur peut venir, comme le dit l'adage. Et surtout, rester là où ils sont, grandir, apprendre les rouages, si je peux le dire. Surtout ça, ouais. Les rouages du métier avant de passer. Parce que la vie, ce sont les étapes. On ne brûle pas les étapes. On a vu beaucoup de grands talents, malheureusement, qui ont essayé de brûler les étapes. J'en fais partie. Voilà. Et puis, voilà, moi, j'ai eu la chance de me retrouver après dans un processus de famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parce que je peux, justement, ça rejoint mon travail de conseiller sportif. C'est-à-dire que je suis là pour leur faire comprendre qu'il faut être patient. Il faut être calme, il faut travailler. Et si tu as le talent, quoi qu'il arrive, tu iras là où tu dois partir. Ton destin, il est déjà tracé, il est déjà écrit. Mais travailler, surtout travailler, parce que nos petits frères en Afrique, on sait que ce n'est pas évident. Mais qu'il y a un statut, il y a beaucoup de choses qui changent. Et la base de tout, c'est l'humilité. L'humilité, c'est l'écoute, c'est le respect. D'accord. Le message que je peux véhiculer. Un mot de fin avant de nous dire au revoir, Adama. Un mot de fin, je veux remercier vous-même d'abord. Merci, pour, merci Adama. M'avoir accueilli sur le plateau. Je veux remercier Madame Raphaëlla Pimenta et Kemino Rayola pour tout ce qu'ils ont, ils ont fait pour moi, l'homme que je suis devenu. Je veux remercier le président Eugène Diomandé pour tout ce qu'il fait pour moi. Remercier aussi Ibrahim Fama Diabaté. À qui on fait un big up. Qui ont fait un big up d'ailleurs. Remercier mes parents. Parce que grâce à eux, j'ai eu une éducation qui me fait, entre guillemets, accepter partout. Et pour conclure, je salue tous mes frères du groupe 32 parce que c'est eux qui me donnent l'énergie, la force. Et un gros big up à Bobo, ma commune de cœur. C'est cela. Voilà, j'allais te dire que tu avais oublié à Bobo. Impossible. Aussi. Et puis big up aussi à donc, tous tes collaborateurs, bien tous sûr, tes amis qui sont là tout aussi. Le monde, bien on recevait à l'instant donc Adama Guidiala, il est conseiller sportif, il est ivoirien, il vient de la commune d'Abobo. Merci. Et aujourd'hui, il s'exporte partout dans le monde entier. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur ce plateau-là. Merci. On va marquer une autre pause. J'ai mon chapeau qui part. Mais autant en même temps enlever ça. Et puis voilà, je garde juste le chapeau. On se retrouve tout de suite après la pause alimentaire. À tout à l'heure. Et hop, la famille, nous sommes en tout sur le plateau du Wall. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï et immense de vous retrouver sur Live TV 206 du Bouquet Canal et 6 de la TNT lundi au vendredi à partir de 11h30 en direct sur la 206 du Bouquet Canal et la 6 de la TNT. Et tout ça, bien sûr, en HD. Allez, on va retrouver à présent notre ami du midi. On va vivre un moment exceptionnel avec quelqu'un que je considère comme un érudit. C'est une bibliothèque vivante et bien sûr de la culture et de l'histoire de l'Afrique et du peuple noir en général. Les esprits, je vous demande d'accueillir comme il se doit et comme vous le savez le faire, bien sûr, Monsieur Serge Billet. Serge Billet, merci à tout le monde d'être là. Oui, je pense. Serge Billet là. Merci. Merci. Willy l'araignée, la musique des mousquetaires. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, il vient avec une pépite, il vient avec un diamant. En tant que mousquetaire, aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter Prince Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris. Je tiens cet ouvrage qui, pour moi, est un diamant. Et je vous demanderai, pardon, s'il vous plaît, de bien vouloir applaudir l'auteur. Alors, très cher Serge Billet, bienvenue à Kouaba. Merci beaucoup de m'accueillir. Épée, je suis allé faire depuis là. J'aimerais dire, on a... j'étais en loge tout à l'heure quand j'ai vu l'introduction, c'était magnifique. C'était magnifique, j'ai adoré en tout merci, cas. Merci, merci Serge. Malheureusement, je suis arrivé... On a laissé l'épée à la maison. Il a dit, les filles, trouvez-moi rapidement bois. On prend vous faire épée. Parce que quand on était petit, c'est ce qu'on utilisait. À l'époque, on aurait dit, à l'époque, on aurait dit, c'est le balai des balais. Si, si, le balai des balais. En tout cas, j'aime bien. Serge Billet, en tout cas, n'est plus à présenter. Merci, Willy. Je veux dire, on a beaucoup. C'est vrai, même si tu n'es plus à présenter, mais on a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui nous suivent. C'est une émission qui est suivie aussi par de nombreux jeunes. Qui ne me connaissent peut-être pas. Voilà. Ouais. Ou peut-être qui ont entendu parler. Qui est exactement Serge Billet? Il part d'où à où? Ben, moi, je suis un jeune qui est né à Gboville, d'accord, qui a fait ses études à Abidjan, à l'école pilote, et qui est parti à l'âge de 13 ans, parce qu'à l'époque, les familles envoyaient leurs enfants en France, et qui est parti à Poitiers, qui a fait ses études aussi à Poitiers secondaire. Et puis à Poitiers, j'ai fait aussi l'université, une maîtrise d'allemand et d'anglais. Après, j'ai fait l'école de journalisme de Lille, et je suis devenu journaliste pendant... 40 ans, 40 donc ans. À France Télévisions. Wow, voilà. France Télévisions, en tout cas, quel parcours hein, on et, a j'ai, et j'ai arrêté au mois de novembre, j'ai démissionné au mois de novembre. Si, si, pourquoi démissionner? Parce que je pense que quand on a présenté un journal télévisé pendant au moins 30 ans,
c'est usant, c'est épuisant, on a envie de faire autre chose. Et donc j'avais envie aussi de vivre à la Martinique, c'est une petite île, c'est formidable, mais c'est une île de 300 000 habitants, on a vite fait le tour, donc j'avais envie de changer d'air, et donc j'ai quitté, j'ai déménagé pour m'installer à Paris, avant de revenir à Abidjan en 2025, définitivement. Waouh, 2025 définitivement, qu'il est à Abidjan, non, 2025 2025, si, là, voilà. Là on est en 2023. Oui, en décembre 2025, pour l'instant je fais la navette, comme quand on est parti depuis 50 ans, il faut se réhabituer, je fais la navette pour revenir un peu de temps en temps, et puis en 2025 je serai là avec vous. D'accord, en 2025 en tout cas. Il sera là, c'est une bonne nouvelle et c'est un bon scoop en tout cas qui vient de tomber là sur le plateau de WAM. Alors on essaie de réceptionner donc quelques questions, des questions donc d'internautes. Donc je vais les poser au fur et à mesure. Alors la question de celui-ci qui dit: comment a débuté votre aventure dans l'univers des médias? Bon, je pense qu'on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qui vous a conduit à entamer donc ce travail de recherche sur l'histoire des peuples noirs du D'abord dire une chose par rapport aux médias, quand même, il faut rendre aussi à César ce qui est à César. Ouais. Moi, je suis né d'un père qui était déjà l'un des fondateurs de la RTI. Ouais. Donc, à force d'aller à la RTI quand j'avais 10 ans, de faire des émissions, de regarder des émissions, et puis d'être là tout le temps avec les George Benson, les Bensou Mahoro, tous ces gens-là qui étaient pour moi des idoles, j'ai eu envie de faire la télévision comme eux et comme mon père. Voilà, donc c'est déjà ça. Toujours, waouh. En tout cas, c'est fort. Comme quoi papa a eu de l'influence, au fait, sur eux. Toujours, toujours. Vous avez aussi un frère hein, qui est, je crois, dans le journalisme aussi. Non, j'avais mon frère qui avait le 331 que tout le monde connaît bien, qui malheureusement est parti, mais qui était quand même une figure du monde de la nuit ici en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît à Abidjan, donc Christophe Villet. Ouais. D'accord, Christophe Villet, en tout cas, grosse pensée pour lui. Grosse pensée pour lui. Alors, qu'est-ce qui pousse, qui conduit donc Serge Billet à faire de la recherche sur le peuple noir? Moi, je suis passionné d'histoire. D'accord. Et je pense que c'est l'époque où j'étais jeune ici, on avait une ouverture d'esprit, une connaissance et une envie de connaître notre histoire. Moi, j'étais fasciné par la reine Pokou, notamment. Mm-hmm. Et donc, quand je suis parti en France, naturellement, on essaie toujours de conserver un certain nombre de choses pour ne pas donc se perdre, se diluer ailleurs. Et donc, j'avais cette passion de l'histoire-là et que je l'ai poursuivie. Mais ce n'est pas que de l'histoire de chez nous, mais de toutes les histoires. J'adore aussi donc, une partie de l'histoire française, l'histoire aux Antilles. Donc, je me passionne pour tout. Et donc, naturellement, j'ai commencé à travailler sur des questions qui ont été très, très fortes. Mm-hmm. Quand je suis arrivé en Guyane, après avoir quitté Paris, je suis arrivé en Guyane en 93, et j'ai découvert ces descendants d'esclaves ivoiriens, Annie et Baoulé, que sont les Boni. Et là, c'était le déclic et je me suis dit, c'est pas possible que nous ne sachions pas que nous avons des gens de chez nous qui sont ailleurs, c'est pas possible que nous ne parlions pas nous-mêmes de notre histoire, qu'on laisse d'autres le faire. Et j'ai commencé à faire ce travail depuis 1993, avec d'abord le retour des premiers Boni ici. C'était magnifique, ils ont été hyper bien accueillis ici, à Thiès Salé et partout. Et là, je me suis mis à écrire des livres, à faire des documentaires, et voilà, j'en suis au 28e livre. 28e livre, je pense que ça s'applaudit, les esprits, s'il vous plaît. 28e livre pour Serge Billet. Alors, 28e livre, pardon, sur le plateau aujourd'hui de WAM, Prince Aniba. Prince Aniba. Prince Aniaba, en tout cas, on sait qu'il avait beaucoup de classe. Il avait beaucoup de classe. Voilà. Il est parti d'Assini à 15 ans. Il est parti à d'abord à La Rochelle, après à Paris, reçu au château de Versailles par Louis XIV, qui le prend en amitié, qui décide d'en faire son protégé et qui le fait. Son bon petit, au fait. Son bon petit, qui est devenu après son repéro, on vous dira pourquoi. Et donc, il décide donc de le faire baptiser et il lui offre surtout une carrière militaire extraordinaire. Wow. Il envoie en Picardie comme mousquetaire, donc à cheval, avec le mousquet, avec la tenue que l'on connaît, avec les trois mousquetaires. Donc, il faisait partie du même régiment que D'Artagnan avant lui. Et donc, là, il va faire la guerre en Belgique par deux fois. Et puis, il a une vie extraordinaire. Et puis, donc, finalement, on lui demande de revenir pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est là qu'il va à Notre-Dame de Paris. Il reçoit ses insignes de chevalerie. Et avec une centaine de militaires français, il revient pour prendre le pouvoir à Sini. Waouh. En tout cas, Prince Aniaba. Est-ce que Aniaba, c'est le nom avec lequel on l'a baptisé là-bas? Non. Son nom d'origine, c'est Aniaba. Aniaba, d'accord. Et ce qu'on a ajouté, c'est le prénom de Louis XIV. D'accord. Comme Louis XIV avait pris comme son protégé, il l'appelait Louis Aniaba. Louis-Jean Aniaba. Waouh. Voilà. Donc, il était devenu, justement. Et ce qui est extraordinaire, parce que moi, j'ai fait un livre déjà sur Louis XIV, par rapport à une femme noire, parce que Louis XIV a eu une fille noire, d'accord, qu'on a toujours cachée. Et j'avais fait ce livre et on avait fait des grandes émissions avec Stéphane Bern à Paris là-dessus. À Paris, Et donc cette fille s'appelait la Moresse de Morée. Okay.
Et donc, j'ai écrit un livre qu'on peut trouver ici, donc ici à Abidjan. Mmh. Et la Mauresse de Morée a été baptisée, a été préparée au baptême par un grand écrivain français qui était aussi évêque, qu'on appelait Bossuet. Wow, donc, Bossuet a préparé la Mauresse de Morée et lui a donné aussi le prénom de Louise, donc le prénom de Louis XIV qu'il avait pris aussi comme protégé, puisque c'était sa fille. Et puis, Bossuet a préparé aussi Aniaba. Donc, avec aussi le prénom de Louis. Donc, il y avait vraiment une conjonction de deux personnes noires qui avaient une importance à l'époque en France et qui, justement, donc, ne se connaissaient pas, ne se sont jamais vus et qui ont été importants et qui ont eu une importance là-bas et qui avaient ce prénom de Louise pour elle et Louis pour lui. Waouh, lui pour lui en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en tout cas à recevoir comme information aussi, comme savoir aussi à travers donc ce beau, bel ouvrage de Le Prince Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris, écrit donc et proposé par Serge Billet, que je vous demande encore d'ovationner très cher. Merci. Alors, avant de revenir à cette œuvre magnifique là que moi j'ai commencé à dévorer, on va venir maintenant sur l'homme, l'auteur, le ghostwriter, celui qui écrit des musiques qui deviennent des tubes intemporels. À quel moment Serge Billet, passion pour le journalisme, a une autre passion aussi, donc développe aussi d'autres passions? Non, c'était ma première passion, c'est la première musique. Première passion, d'accord. Parce que quand j'étais à Abidjan, avant de partir, j'étais au conservatoire. Mm-hmm. Mon père, qui jouait de la trompette, m'a inscrit au conservatoire. Et donc, ça, c'était sous l'influence de papa ou... Oui, il m'a inscrit au conservatoire, donc j'ai fait un peu de piano, un peu de guitare. Et quand je suis parti à 13 ans, vous imaginez bien, quand on est loin de ses parents, on a un peu de mélancolie. Mm-hmm. Donc là, effectivement, on fait beaucoup de musique. Et j'ai fait beaucoup de guitare. Et même à un moment donné, j'ai été le professeur de musique de guitare de l'évêque de Poitiers, Monseigneur Rosier, qui m'avait pris, m'a dit il faut venir. Et donc, je lui donnais des cours. Et naturellement, j'ai commencé à composer des choses qui étaient un peu informelles. Mmh. Et puis, il y a peut-être en 1992, j'ai écrit, quand j'étais à Paris, au piano, une chanson qui a eu un succès plus tard, qui s'appelait « Je t'aimerais », et que j'avais composée donc, à Paris. Et quand je suis arrivé aux Antilles, on l'a enregistré, c'est devenu un tube aux Antilles et en Afrique. Et c'est à partir de là que tout est parti. D'accord. Ben, justement, on a quelques séquences ici donc, de chansons aussi donc, écrites par Serge Billet. On va se faire un petit medley, là, une compile. Let's go. Alfred. Je suis là, voyez parole bar mon fille pendant une case en vente maman. Écoutez moi, la vie c'est un défi. Professeur Loïc qui a su faire, je veux dire, c'est, la liste n'est pas exhaustive en tout cas, il y a d'autres gros tubes encore. Il y en a une centaine, oui. Si, si, il est parti de nous l'épisode, dédié à la Côte d'Ivoire aussi. C'était un moment très difficile, mais partage avec mon pays, parce que j'étais loin et j'avais envie de ressentir et de soutenir les Ivoiriens. Si, si, et toujours envie donc de ressentir et de soutenir les Ivoiriens. La compile a été, est finie donc avec le titre aussi. Pour Bassam. C'était un moment très dur aussi. Ouais. Quand on est loin, c'est toujours difficile de voir que ses parents sont exposés. Quand je dis ses parents, c'est-à-dire son pays est exposé à beaucoup de choses. Et quelquefois, on est un peu plus énergique quand on réagit. Moi, j'interviens beaucoup sur la politique en Côte d'Ivoire et j'essaye toujours de mettre dans la peau de quelqu'un qui est au-dessus du lot, qui n'est ni pour les uns ni pour les autres, mais qui est critique à l'égard de tout le monde. Parce qu'on a besoin aussi de plumes qui soient capables de pouvoir dire aux gens il faut absolument que vous pensiez d'abord à la Côte d'Ivoire avant de penser à vous. Je parle des politiciens. Pensez d'abord à la Côte d'Ivoire, que ce soit Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ou Henri Conan-Bédier, il faut toujours leur rappeler ça. Mmh. Quel que soit celui qui gagne, moi ça m'est égal, je veux dire, j'ai aucun parti, que ce soit le RHDP ou le PACI ou le PDCI qui gagne, ça m'est égal. Mais l'essentiel, c'est que les gens pensent à la Côte d'Ivoire et que ces élections soient équitables pour que tout le monde s'y retrouve, parce que c'est l'avenir de ce pays qui est entre nos mains. D'accord, waouh, c'est bien dit en tout cas. Un peuple sans histoire est un peuple qui est perdu, un peuple qui
qui est con, qui n'existe pas. Aimé Césaire me disait toujours, j'ai eu cette chance de pouvoir être à ses côtés pendant 13 ans, il me disait toujours, pour regarder le siècle en face, il faut savoir d'où on vient. D'où on vient pour savoir où on va. D'où vient donc le prince Aniaba? D'où est venue donc cette envie-là de faire des recherches sur ce prince-là? Moi, je me souviens que quand j'étais... ma grand-mère est déjà d'Assini, comme Aniaba, et quand j'étais petit, quand j'étais petit, plus jeune en tout cas, il y a 30 ou 40 ans, j'avais été très intrigué par un livre qu'avait écrit Madame Diabaté, qui parlait déjà de d'Aniaba. Certes, il n'y avait peut-être pas les mêmes archives qu'aujourd'hui, mais en tout cas, qui était déjà assez instructif. Et puis, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, bon, avec le temps, vous savez, quand on a un moment donné dans sa vie, on a envie de faire des choses par rapport à, surtout par rapport au lieu d'où vient ma grand-mère, je me suis dit, mais Aniaba, c'est celui qui fait le lien aussi entre elle et moi, puisque c'était une grand-mère dont j'étais très proche. Et j'ai décidé de faire ces recherches-là donc depuis 5 ans. Apporter aussi des éléments nouveaux, parce qu'il y a de nouvelles archives. C'est ça qui est extraordinaire en France. C'est-à-dire qu'il y a des archives, on découvre des archives tout le temps. On croit tout savoir, mais on ne sait pas, parce qu'on retrouve aujourd'hui des archives du XVIIe siècle qu'on n'avait pas encore dépouillées. En Martinique, par exemple, il n'y a que 40% des archives qui ont été dépouillées. Il en reste encore beaucoup. Et donc, sur Aniaba, je me suis mis à rechercher. Et ça a pu me permettre d'écrire ce livre qui soit à la portée, justement, de la nouvelle génération et qui permette à la nouvelle génération de connaître un personnage qui fait partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Oufou Tbagnié, ceux qui sont venus après. C'est tous ces gens-là et Aniaba en fait partie. D'accord. Est-ce que même le peuple même d'Assini même est tout le monde ne connaît pas. Non seulement les gens ne connaissent pas, mais on raconte un tas de fables, un tas de choses inimaginables. On m'a dit que c'était un sorcier, que ça n'a strictement rien à voir. C'est parce qu'on fait quelquefois des confusions entre des petites choses qu'on peut savoir. Par exemple, je sais qu'à l'époque aussi, donc en France, il y avait un noir qui était d'origine indienne, qu'on avait capturé comme esclave en Inde, et qui justement guérissait et avait des dons de ce qu'ils appellent de sorcellerie et qui guérissait. Donc on l'a confondu avec Aniaba alors que c'est pas le même. Lui s'appelait Antoine de Nens, donc ce n'était pas la même chose. D'accord. Ce ouvrage-là, à combien de pages déjà? C'est un ouvrage de 210 pages, si j'ai bonne mémoire. 210 pages qui est aux éditions... Cercle Média et Kofiba. Kofiba sur le nom des enfants, Kofi et Afiba. Et Afiba, en tout cas, qui ont fait un gros coucou. Oui. Forcément. Allez, avant de revenir donc sur l'étape du journalisme, on va s'amuser un peu tout à l'heure, mais on va revenir encore sur ce qui reste véritablement du passage du prince chez les mousquetaires, en fait. Est-ce que je veux dire, c'est clair qu'on a dû peut-être ériger là-bas en Europe, en France, peut-être des vestiges pour c'est tout D'Artagnan le problème. Autres, c'est tout le problème, c'est que l'histoire est écrite par le vainqueur. Et le vainqueur ne s'attache qu'à sa propre souffrance. Donc tous les autres, et en l'occurrence les Noirs, on n'a pas notre place. Quand j'écris en 2005 le livre qui a fait un gros succès, un gros carton, Noir dans les camps nazis, qui raconte qu'il y avait aussi des Africains et des Antillais qui ont été déportés dans les camps de concentration aux côtés des Juifs. Le monde entier a l'air de découvrir ça 60 ans après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est parce que notre histoire n'est pas écrite, ou en tout cas quand elle est écrite, on ne nous accorde pas autant d'importance que ça. Donc quand je découvre aussi, il y a 5-6 ans, le livre, je publie le livre Yasuke, aujourd'hui tout le monde découvre qu'il y avait un samouraï noir, je suis content d'avoir contribué à ça, mais pareil, quand je publie le livre sur le seul passager noir du Titanic, tout le monde découvre qu'il y avait un noir sur le Titanic. Voilà, et bien c'est pareil, il faut faire le travail. Aniaba a été oublié des archives, pas des archives, mais des mémoires. À nous de faire le travail, déjà pour nous le réapproprier, parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire de nos jeunes à qui il faut transmettre tout ça pour que demain ils puissent mieux construire ce pays en ayant en mémoire ce qu'il a été, pour savoir ce qu'il faut en faire. Et bien donc, il faut faire ce travail. Après, nous aimerions, une fois que ce sera fait, pouvoir l'exporter, faire en sorte que ceux chez qui il a vécu puissent aussi se souvenir de lui. D'accord. Et si aujourd'hui un réalisateur ivoirien vient voir Serge Billet pour adapter au cinéma, par exemple, ce livre-là? Oui, on peut toujours en discuter. Vous savez, j'ai été approché par tellement de gens fantaisistes qui disent oui, on veut faire ci, on veut faire ça. Voilà, donc aujourd'hui, c'est compliqué, mais... À la rigueur, j'ai presque envie de dire que moi, j'ai déjà joué mon rôle, j'ai fait ma part. Ma part à moi, c'était d'aller travailler dans des archives et de ramener des histoires qui ont été complètement oubliées. Et je pense que je l'ai suffisamment fait. Des gens de ce milieu, un jour, arriveront peut-être à aller plus loin, à faire des films avec ces livres-là, je l'espère. Ça viendra, il faut pas être pressé. La vie, chacun fait ce qu'il a à faire, pas à pas, et peut-être qu'après moi, ça se fera. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie du prince Aniaba a eu un impact entre les relations entre la France et le royaume d'Assini? Ah oui, parce que
Parce que Aniaba était venu pour faire un coup d'État, d'accord. Mais pas de son propre chef. Ouais. C'est-à-dire que lui, il était tellement bien en France. Mmh. Chez les mousquetaires, il avait un précepteur, ouais. Il avait des chevaux, il avait des dettes aussi. Ouais. Et puis il avait des femmes aux cuisses laiteuses, comme ouais. On disait à l'époque. Et donc il était heureux, il n'avait pas envie. Il jouait aux cartes le soir avec les autres mousquetaires. Il y avait un jeu qu'on appelait le lansquenet. Donc il était très heureux, il n'avait pas envie de rentrer. Mais Louis XIV et ces gens-là ont dit « Non, 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 on a besoin de toi » parce que Assini, qu'est-ce qu'ils voulaient faire Assini? Ils ont dit très concrètement dans les archives qu'ils voulaient faire d'Assini le nouveau Pérou, wow. C'est-à-dire une source de richesse intarissable, mm-hmm. Puisqu'ils voulaient construire un fort et exploiter l'or. Et donc, naturellement, Aniaba était la bonne solution pour ouais. Eux, pour pouvoir donc l'installer comme roi. Aniaba dit non, moi je ne veux pas y aller, je ne veux pas rentrer, je suis très bien en France. Mm-hmm. Le compagnon qui était avec lui, Anouma, est rentré, mais lui il ne voulait pas rentrer. Mm-hmm. Donc on l'a menacé de l'envoyer à la Bastille, donc mm-hmm. De l'envoyer en prison s'il ne rentre pas. Donc il a dû se plier ouais. Pour rentrer avec des soldats français pour essayer justement de s'imposer et de prendre le pouvoir. Mm-hmm. Malheureusement pour lui, le roi d'alors, Akassini, qui était déjà sur le trône, mmh. Était très, très fortement soutenu par la population. Ouais, ouais. Donc, ça n'a pas été possible de faire ce coup de tal. Donc, les Français ont compris, mmh. Ils n'ont rien voulu faire. Et ils se sont retournés contre Aniaba. Contre Aniaba, ouais. Et finalement, ils l'ont isolé. Mmh. Et les trésors que Louis XIV avait offerts pour le couronnement d'Aniaba, ouais. Et ben, finalement, c'était donné à Akassini. Et Aniaba s'est retrouvé le bec dans l'eau. Et qu'est devenu Anouma, alors, qui lui est rentré alors... Anouma, lui, il est rentré. Il a eu une belle vie. Ouais, ouais. Malheureusement, pour lui, il n'a pas retrouvé la femme qu'il aimait. Ouais. Parce que quand il est parti, il aimait une femme qu'on connaît dans les archives comme mm-hmm. Une fille qui s'appelait Assérépou. Mm-hmm. Et donc, il ne l'a pas retrouvée parce qu'elle était morte à son retour. Wow. Et donc, ça, c'était son plus gros chagrin. Mais mm-hmm. Lui, il voulait rentrer justement. Déjà, il ne voulait pas partir, lui. Si. Lui, il ne voulait pas partir. On l'a forcé à partir avec Aniaba. Et il ne voulait pas partir. Et pendant tous ces jours là-bas, il était malheureux parce mm-hmm. Qu'il voulait revenir. Vous savez, on dit souvent que les hommes sont légers, mais ce n'est pas toujours vrai. Hein. Si, si. Quand les hommes sont amoureux, ils sont capables de déplacer des montagnes. Si, si. Et lui, il était amoureux mm-hmm. Et il voulait absolument revenir. Et revenir retrouver sa belle, malheureusement, quand il est arrivé, elle était morte. Elle était morte. On va dire que Anouma est celui qui a vécu le premier goumet. C'est plus qu'un goumet, ça, c'est un goumet latéral. Latéral, définitif, en tout cas. Mais quand on a Serge Billet, on ne peut pas souffrir de goumet parce que c'est une source intarissable, en tout cas, de savoir. On va marquer une petite pause, elle est publicitaire. Et tout juste après, on reviendra encore pour égrener le riche chapelet de sa vie. À tout à l'heure. Et hop, la famille, nous sommes de retour sur le plateau du Bois. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 23 mars 2023 et j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui l'auteur Serge Billet qui nous offre ce magnifique ouvrage-là, Prince Aniaba, le mousquetaire ivoirien de Notre-Dame de Paris. Avant de revenir encore sur comment faire pour se procurer cet ouvrage-là, parce que si on parle trop d'Aniaba, après les gens auront tout. C'est pas gênant d'en parler parce que le livre est encore plus fouillé. Ouais, voilà, il y a des gens. 210 pages quand même. Oui, non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. Et c'est important aussi, quand on a un livre, de pouvoir retourner sur tel détail, de pouvoir le lire, le relire, le raconter à ses enfants. Non, je peux en parler pendant des heures, mais ça n'enlèvera jamais la richesse du livre lui-même. Forcément. En tout cas, le livre est riche. J'ai déjà feuilleté plus d'une cinquantaine de pages. Et croyez-moi, franchement, il est riche. Je vous le recommande vivement. On va revenir encore aux années, pendant au moins une vingtaine d'années. 30 ans, pardon, plus d'une vingtaine d'années, on va dire, donc 30 ans sur France Télé, c'est cela? Oui. Alors, c'est quoi la différence entre les médias là-bas et nos médias d'ici, surtout qu'on a eu entre-temps la libéralisation? Disons que ce que moi j'éprouve, mm-hmm. La différence, je pense qu'il y a beaucoup plus de liberté des journalistes. D'accord. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je sais que... J'ai eu à faire des interviews quelquefois très dures avec des hommes politiques, notamment Nicolas Sarkozy. Mm-hmm. Vous ne craignez rien, vous le faites, vous posez toutes les questions dérangeantes. Il peut s'énerver sur le plateau comme c'était son cas, il peut vociférer. Voilà, vous avez fait votre boulot, point terminé. Ouais. Vous n'avez pas la crainte de vous dire que demain vous allez être déplacé, vous mm-hmm. êtes muté, vous allez être suspendu. Voilà, c'est ça qui est très extraordinaire. Si. Mais bon, la liberté, ça se gagne. Ouais. Ça se gagne petit à petit avec l'évolution des mentalités, mm-hmm. à la fois des hommes politiques mm-hmm. et puis aussi des journalistes qui sont capables peut-être d'en revendiquer davantage. Ouais. Donc il faut aller pas à pas. Moi, je dis que je n'ai pas à imposer ou à dire aux uns ou aux autres comment il faut faire. Ouais. Je dis juste voilà comment moi je fais, voilà comment je suis, de quelle liberté, mm-hmm. à partir de quelle liberté je m'exprime, elle sera toujours totale. Total, voilà. Ouais. Mais je peux respecter qu'il y ait des gens qui aient une parole un peu plus suspendue. Ouais. Vous savez, en France aussi, hein, il y a des gens qui se retiennent, hein, qui ne disent pas tout. Il ne faut pas croire que c'est le propre des pays africains. Mm-hmm. Il y a des gens qui sont plus courageux que d'autres. Mm-hmm. Il y a des gens qui vont plus loin que d'autres. Voilà, chacun est comme il est, ouais. il faut juste assumer. Et quand on a la chance
comme c'était mon cas, de vivre dans un pays qui était d'une liberté absolue en termes de journalisme, oui, il faut l'exploiter. Le Canard Enchaîné dit très clairement tous les mercredis dans son journal à l'en-tête, la liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai toujours conçu mon métier. Ouais. D'accord, la musique on dit elle adoucit les mœurs, et bien, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant avec ce blind test là. On va voir s'il reconnaît rapidement les titres. D'accord. De ces chansons-là, pas forcément. Je suis pas très doué, hein. Très doué pour ça. Hein. Non, mais on va essayer en tout cas. Voilà, Marco de derrière là-bas qui va envoyer le premier titre. Let's go. Eric Birgal, merci Marco. Le titre c'est. Tu peux jouer. Pas fais-moi la peine. Eric Birgal aussi hein, qui se porte. C'est mon voisin. C'est mon voisin Martinique et on allait. Oui, on s'entend bien. Toujours. J'aime bien ce garçon, voilà. Ouais. Quelquefois, on s'engueule aussi un peu, hein, mais bon, on s'entend bien. Un beau coucou, en tout cas, Eric Birgal. Allez, deuxième titre. Envie de m'envoler, partir avec toi, bien loin de tout ce bruit, faire un autre nid. Et si tu veux, goûter au paradis. On l'appelle Mers Allumette, Pierrette Adams. C'est vrai qu'elle a fait, en plus Eric a écrit pour elle, et je ne connais pas toutes les chansons de Pierrette, elle a fait une petite carrière zouk. Ouais. On la connaît moins bien en tant que zoukeuse qu'en tant que chanteuse avec des rythmes africains, mais je sais qu'Eric a travaillé pour elle. Wow, top en tout cas, bon de savoir. Merzed, plein de bisous. Allez, troisième titre, pardon, toujours dans le Black Test. Ça, c'est la petite colle. Petit indice, ça a été produit par Feu Daniel Cup. Ça compte. Ouvre-moi la porte. Alors, je dévoile rapidement, ça c'est le groupe Les Guignols d'Abidjan. Ah, donc, d'accord. Avec Gohou, je risquais pas de Abeli savoir. Gohou, oui. Oh mon Dieu, j'essaie d'imaginer. C'était l'époque donc des Guignols d'Abidjan. Ah ouais, ils ont fait du zouk. Ouais, ils ont fait du zouk aussi. Mais ça, c'est dommage que ces choses-là, on les entende pas là-bas. C'est ça. C'est parce qu'on entend beaucoup de zouk de la Martinique ici, mais ce serait bien aussi de l'entendre là-bas. Mais ça, je n'avais jamais entendu. Forcément, en tout cas, belle découverte, on va balancer le titre après. Ah oui, je connaissais pas. Allez, autre chanson. Oui, ça c'est Tia qui chante. La bête c'était déjà vendu. Hein. Ouais. Ah, non mais je connais l'intro. Je ne connais pas le titre, mais je connais, c'est Tia. D'accord, c'est Tia, ouais, effectivement, en fait. Et le titre c'est Je t'aime. On écrit beaucoup Je t'aime. Hein. Mais on le vit pas toujours, mais les chanteurs de zouk et les auteurs de zouk comme moi, et les compositeurs aussi de musique zouk. Le je t'aime, il arrive à toutes les sauces. Mais est-ce qu'ils sont de véritables serial lovers? Ils sont des serial lovers dans le sens où il n'y en a pas qu'une. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Okay, moi, d'accord. Tout ce que je connais. Allez, autre chanson rapidement. Ah oui, ça c'est. Ah, ouais. Ah non, c'est comment facile. Le Guadeloupéen là. Ouais, c'est facile. Non, le Guadeloupéen. Grand classique. Oui. Non, mais je le connais. Yeah. Je le connais, mais bon. Yeah. Jean-Michel Jean-Louis, voilà, profitez. Ouais. Dernière chanson. Oui, ça c'est Gadi Selly. Ouais, Gadi Selly. Avec en duo avec. Comment elle s'appelle déjà? Leslie, voilà. Ça a été produit par Blaise Le Seul, le plus Paris, à qui on fait un gros coup. Qui est un béninois, qui est très talentueux. Si. Merci infiniment. Allez, aujourd'hui, on revient donc sur Prince Agnaba. Est-ce qu'il est déjà disponible ici? Oui, il est en vente depuis une semaine dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, donc voilà, dans toutes les FNAC et toutes les librairies de Côte d'Ivoire. Tout le monde peut l'avoir, oui. Voilà, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des séances de dédicaces? Oui, je dédicace ce samedi à la FNAC de Cap-Nord. D'accord. Voilà, je pense que ce sera l'avant-dernière dédicace avant mon départ. D'accord. Donc, toute la journée donc à Cap-Nord. Samedi. À partir de quelle heure? 9h? Disons 10h. 10h. Laisser dormir un peu parce que je passe mon temps. Hier, j'étais à Boisflay avec les enfants, les élèves du lycée moderne 1 et 2. On a fait une journée formidable toute la journée, mais on a fait l'aller-retour dans la journée. Ouais. Ce matin, il fallait se lever tôt pour venir ici. Il y a encore des choses à faire demain. Après. Donc, il faut me laisser dormir un peu. Donc, samedi, ce sera à 10h, de 10h à 18h. 10h à 18h, en tout cas. Donc, 8h pour aller rencontrer donc, Serge Billet. Et puis, pourquoi pas, en plus de Prince Agnaba. Il y a tous les autres livres. Voilà, qui sont là. Il y a un livre qui est très demandé. Souvent, c'est « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» parce que j'avais fait livre à polémique, au fait. Bah, polémique, parce que les gens veulent créer des polémiques. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Ouais. C'est comme mon livre « Noir dans les camps nazis », il a fait polémique à l'époque. Mais aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Si. La justice même m'a donné raison. Ouais.
Parler de et si Dieu n'aimait pas les Noirs, c'est raconter comment est-ce que des Africains, des prêtres africains, ouais. sont victimes de racisme au Vatican. Mm-hmm. C'est raconter comment des religieuses africaines se livrent à la prostitution au Vatican. Ouais. Je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Mm-hmm. Parce que d'autant qu'elles m'ont sollicité, donc les religieuses, pour témoigner. Si. Donc j'ai fait le livre, effectivement ça a fait un tollé en 2009, mais aujourd'hui avec les papes successifs, ils ont fini par donner raison en disant qu'il y avait des abus sexuels auprès des religieuses. Voilà, donc j'ai eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Ouais, mais trop tôt. C'est pas gênant. Hein. Visionnaire. Non, pas du tout. Ouais. Et Césaire m'a dit ça souvent. Si, Aimé si. Césaire m'a dit, pour plein de choses, y compris pour le statut de la Martinique, j'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Donc je sais ce que c'est que d'avoir raison trop tôt. Quelquefois, on a une traversée du désert, mais le temps finit par nous donner raison. Waouh, c'est fort ça en tout cas. Mais que deviennent ces sœurs-là, ces religieuses? J'espère, parce que moi j'ai fait le livre en 2009, après je suis passé à autre chose, donc j'ai pas suivi un peu. J'espère qu'elles ont eu gain de cause, qu'elles ont pu. Malheureusement, certaines ont connu des déboires, ont dû quitter l'église. Une autre est morte au Congo, quand on l'a renvoyée au Congo, elle est morte du sida. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais il fallait que je sois l'écho de leur témoignage. Il fallait que je donne la parole à ces femmes-là. J'ai pris des coups, mais de toute façon, je suis habitué à prendre des coups. Hein, chaque fois que je prends une position, que ce soit politique ou autre, je prends des coups. Mais notre rôle à nous, c'est ça. Notre rôle, c'est de dire, notre rôle, c'est un rôle d'éclaireur. Mm-hmm. Notre rôle, c'est de faire en sorte que, justement, notre pays, par exemple, et d'autres, ne s'endorment pas sur leur laurier. Qu'on ne dise pas, ah, c'est beau, machin, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Moi, hier, je disais, j'étais à Boisflay. J'avais de la peine quand j'ai vu certains élèves, comment, dans quelle situation ils allaient à l'école, où ils étaient oubliés, que les parents ne faisaient pas le travail qu'il faut. Donc je me dis qu'il y a encore des choses à faire. Donc il faut mettre, comme disait Albert Londres, le grand Albert Londres, à qui on a consacré un prix, le prix Albert Londres, qui disait qu'il faut mettre le doigt, la plume dans la plaie pour pouvoir faire en sorte justement qu'on pense à ces choses-là, qu'on pense aux gens qui souffrent. Parce que nous avons une vie confortable. Moi, j'ai... Tout mon avenir est derrière moi. Mais il y a tous ces jeunes qui sont là, il y a tous ces gens qui ont besoin de nous. Et donc, il faut dire les choses pour que ces gens puissent être entendus, puissent être vus, pour qu'il y ait plus d'égalité en Côte d'Ivoire, qu'il y ait plus de fraternité aussi, parce qu'on a encore des relents, quelquefois, d'exclusion à l'égard des uns, qu'on soit du Nord, qu'on soit du Sud. Moi, j'ai connu cette époque, c'est pour ça que je dis dans la chanson « Donne-moi ta peine ». Moi, je viens du Nord, moi, je viens du Sud, moi, je viens de l'Ouest, je viens de l'Est, mais ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Je vais vous demander encore d'applaudir très fort, s'il vous plaît, Serge Boulay. C'est beau, fort. On va regarder, repartir un peu en arrière, ce que ça donnait un peu Serge Boulay à la présentation du journal. Regardez, juste 13 secondes. Un jeune Martiniquais de 24 ans, il s'appelle Gilles Saint-Louis. Il se produira les 8 et 9 décembre prochains à l'Atrium. Deux spectacles déjà à guichet fermé pour ce garçon qui aime tourner en dérision notre jeunesse. Le reportage d'Edouard Estripeau et Fabienne Léonce. Voilà, le reportage ne reviendra pas, on va juste... Quand on regarde cette image là, on se dit quoi? On se dit qu'on est plus tout jeune. On se dit qu'on est plus tout jeune, c'était une époque. J'ai essayé de faire ça le plus consciencieusement possible pendant 30 ans. Et ça se voit. Et avant la Martinique, moi j'ai commencé à faire de la présentation quand j'étais donc en France. Je suis rentré à France 3 en 88, donc je faisais de la présentation en province. Je l'ai fait à Nancy, je l'ai fait au Mans, je l'ai fait à Reims. Et je suis content parce que ça a ouvert des portes à d'autres jeunes comme Harry Roselma qui sont arrivés après. Parce qu'à l'époque, on était très peu de Noirs à présenter le journal télévisé. Il y avait moi, il y avait Marie-José Ali, il y avait un autre, un Guadeloupéen. On était trois ou quatre, c'est tout. Et donc ça a ouvert des portes à d'autres et je suis content, je suis fier d'avoir participé aussi à ça. C'est cela. Et nous, en tout cas, on va essayer aussi de bénéficier encore à nouveau, bien sûr, bien qu'il soit parti, qu'il ait rendu l'émission. Live TV ici va faire signer le contrat le plus court. Donc... Je vais demander donc à Serge Boulay de me rejoindre ici. Ah oui, d'accord. Il va présenter les titres de l'actualité en juste quelques secondes seulement. D'accord. Je laisse le papier ici. Il y a aussi donc le prompteur là. Voilà, ceux qui l'habitude au prompteur, le prompteur là en face. D'accord. Voilà. Et donc... Je lis précisément ce qui est écrit. Voilà, sur le prompteur, pourquoi pas aussi. Ah, il est sur le prompteur, d'accord. 6, 5, 4, 3, 2, 1, mesdames et messieurs, jingle, 12h45. Ce journal, vous suivez le 12h45, c'est votre point d'information de la mi-journée sur les antennes de Life TV. Au sommaire, un jeune homme de 35 ans nommé directeur d'une école primaire à Gagnoua après avoir passé 38 fois le CEPE dans cette école. Comment a-t-il réussi ce coup de maître? On en parle tout de suite dans ce journal. C'est bon? On
Ah, je continue encore. Azalaka Piyou, un vieux papillatier, revendique la paternité de la chanson. Est-elle vraiment à lui? Les détails tout à l'heure. J'ai pas bien, parce que j'ai pas. Alimentation, le garba. Ah, le fameux garba. Ah, le fameux garba. Entre bientôt au patrimoine mondial de l'UNESCO, je ne savais pas, pour service rendu à la nation ivoirienne et forcément aussi au monde entier. On en parle dans quelques instants. On fait pas comme ça dans les journaux. Et puis on va finir avec le débat du jour. Quelle solution contre l'avarice des agnis dans notre pays? Ah non, mais là c'est une insulte. Restez avec nous, les échanges seront très intéressants et surtout très partiaux. Parce que c'est vraiment, vraiment se moquer des amis que de penser qu'ils sont, qu'ils sont avares. On l'applaudit très fort, bravo. Merci. Allez, Tracer, l'acteur, je vous recommande vivement Prince Aniaba de Serge Billet, samedi déjà à partir de 10h à la FNAC. Cap Nord. Voilà, allez jusqu'à 18h. Donc sinon, dans toutes les librairies. Voilà, dans toutes les librairies, voilà. Mais il y aura une séance de dédicace là-bas, ce samedi-là. Est-ce qu'il y a un mot à rajouter? Oui, juste dire que j'étais très heureux de revenir à la télévision, ne serait-ce que pour un moment, et puis de revoir un peu une partie de ma vie. Merci. Et je suis très heureux de savoir que je peux être utile. Utile, voilà. Toujours. Voilà. C'est un mot que j'adore, c'est le mot être utile. Utile, en tout cas. Soyez utile, faites tout en tout cas pour l'être, et puis nous, on essaiera autant que faire se peut de l'être aussi. Merci de nous avoir suivis dans quelques instants, le 12:45. Sortez couverts en haut et en bas. On se retrouve demain. Bye. Au revoir.